Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est Ma Vie, Ma Santé. Nous recevons le frère Michel Bakenda que vous connaissez tous. Et nous sommes ici au Canada, précisément à Mississauga, non loin de Toronto. Et nous recevons le frère Michel qui est en tournée au Canada et aux États-Unis. Bonjour frère Michel. Bonjour maman. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Nous savons que vous avez eu un parcours difficile. Quel effet ça vous fait d'être ici au Canada? Est-ce que c'est un rêve réalisé? Oui, il faut dire que quand j'ai grandissé, je n'avais jamais rêvé ça. Mm-hmm. Et même si j'avais rêvé de ça, je ne m'imaginais pas que ça puisse se passer si vite. Alors, c'est des choses auxquelles il faut dire merci à Dieu. Donc, je bénis Dieu de ce qu'il m'a accordé la grâce de me retrouver au Canada. Donc, vous êtes en tournée pour faire la promotion de votre album Bola Moleke Bele. Est-ce que c'est votre premier album? Oui, c'est mon tout premier album. Mm-hmm. Et l'album est intitulé Dieu de ma vie. Dieu de ma vie. Donc, Moleke Bele fait partie des chansons. Ok, parce que c'est comme si cette chanson-là, c'est le titre que les gens ont beaucoup plus retenu. Les gens aiment beaucoup. Ça, il y a Sembola Loboko. Voilà. Donc, nous savons que vous avez un grand projet qui est de construire un centre de formation, une école. Et comment vous pouvez, comment vous comptez réaliser ce projet? Alors le projet n'est pas facile, c'est pourquoi par la grâce de Dieu nous avons établi quelques stratégies. L'une de ces stratégies plutôt, nous avons ce que nous appelons 1000 bâtisseurs. Mm-hmm. C'est-à-dire nous avons besoin de 1000 personnes qui pourront nous donner $100 par an. Et le projet partira pour 3 ans. Alors nous pensons que si au moins dans ces 1000 personnes, Dieu nous accorde des bonnes personnes ponctuelles par rapport à les rendez-vous, et nous pourrons réaliser ces grands projets qui nous coûte aux environs 250 000 à $300 000. $250 000 à $300 000. Voilà. Maintenant, ici, les gens du Canada, comment ils peuvent vous contribuer à ces projets? Comment ils peuvent vous envoyer de l'argent? Il y a un des clients qui était remis hier au concert, mais aussi, vous pouvez aller consulter la page de la fondation, c'est-à-dire Michel Bakenda's Foundation, sur Facebook. Vous allez avoir tous les renseignements. Il y a un numéro de compte en banque du Canada qui est là où vous pouvez mettre quelque chose par rapport à ça. Et puis, vous pouvez le faire par PayPal. Notre compte PayPal, c'est hardibakenda@gmail.com. hardibakenda@gmail.com. De partout où vous êtes, vous pouvez nous rejoindre par là. Voilà. Est-ce que vous avez eu ce projet à cœur parce que vous-même, vous avez eu des difficultés à étudier? Parce que j'ai suivi votre témoignage. Okay. Vous avez fait, je crois, 4 ans, vous n'avez pas étudié. Ouais. Vous avez eu vraiment des difficultés à aller à l'école, mais par la grâce de Dieu, vous êtes quand même allé à l'université. Oui. Vous êtes licencié en relations internationales. Est-ce que c'est par rapport à ça que vous avez eu cette passion-là d'aider les enfants démunis? Oui, c'est vraiment venu de ça. Comme je le disais hier, alors que j'étais en train de témoigner, c'est une histoire avec Dieu. Comme je le disais, vous savez, lorsque vous passez dans des moments compliqués, il vous arrive parfois de faire certaines promesses à Dieu. Et alors, à un moment donné, il faut être en mesure de réaliser ces promesses. Et j'aime toujours dire que la vie est faite des rêves. Il y a des rêves qu'on abandonne, mais il y a des rêves auxquels on doit tenir jusqu'à voir l'accomplissement. Et ça, c'est les rêves de ma vie. Ah oui. Donc, nous vous souhaitons vraiment bonne chance concernant ce grand projet. Merci. Et lorsque vous allez encore revenir, peut-être vous avez promis hier au concert que vous allez revenir l'année prochaine. Yeah. Donc, on vous attend pour un autre concert. Et quels sont alors... que l'année prochaine, je viendrai avec tous les groupes parce que les groupes, on sera déjà avec aux États-Unis. Ah, ok. Et l'année prochaine, nous ferons encore l'effort pour qu'ils viennent au complet pour faire un bon travail. Ça sera une bonne chose. Merci. Alors, quelle est votre prochaine destination? Et quand je quitte ici, je vais à Toronto pour une activité le 24. Après Toronto, je vais assister le pasteur Moïse Mbille le 25 à Montréal. Et de là, je vais aller à Washington D.C. le 27 pour un concert. Septembre. Ouais. Mais pour un concert le 9 octobre. Et le 16, j'ai notre concert à Maine, Portland. Le 22, j'ai notre concert à Washington State. Le 23, j'ai un autre concert à Boston. Octobre. Ouais, octobre. Okay. Le 30, je rentre encore à Maine. Le 5, je clôture avec Dallas. Et le 7,
essayer de se rentrer à Kinshasa. Ottawa, c'est pour C24. Donc, si vous nous suivez, soyez là nombreux. Dieu nous fera du bien. Voilà. Voilà. Suivez le frère Michel Wakenda pour cette grande tournée Canada-États-Unis. J'ai oublié, le 1er octobre, nous serons à Raleigh. Vous êtes chargé là. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Alors, frère Michel, c'est vraiment un miracle parce que suivant votre parcours, on voit maintenant que Dieu vous a ouvert les portes et nous savons vraiment que vous êtes une bénédiction pour ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. C'était le frère Michel. Un dernier mot. Et je bénis le Seigneur pour votre accueil et votre générosité. Que le Seigneur vous bénisse. Je compte que prochainement, on fera une grande mission. On passera des très bons moments. Pourquoi pas avec des instruments en train d'adorer les Seigneurs. Ah oui, nous vous attendons. Ça, c'est un grand rendez-vous pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers amis de Ma Vie, Ma Santé. On se voit prochainement pour un autre numéro. Et restez fidèles. Merci à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. C'était le frère Michel Bakenda avec son premier album qui est venu en tournée pour faire la promotion de la fondation Michel Hardis Foundation. Michel Bakenda Foundation. Michel Bakenda Foundation et la promotion de l'album Dieu de ma vie. Dieu de ma vie. Merci et à bientôt. Bye.